Eh bien salut tout le monde, salut les amis, salut YouTube, salut la communauté, et bienvenue sur Mizone TV, la chaîne gaming. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de Batman Arkham Knight, le chevalier d'Arkham. Hop, alors, non, je me suis gouré de touches. Allez, on va se mettre par ici. Alors. Nickel. Allez, on va se rendre au repère. Au repère de l'épouvantail. C'est ici. Je devrais aller jeter un œil à l'appartement du dernier étage. C'est Batman, poursuis-le, non ! Ça fait longtemps que j'attends ça, Batman. Jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre de l'asphyxier. Essayez un peu. Young pour éliminer. Ça ne me surprend pas des masses. Vous devriez revoir votre sécurité. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Tu te calmes. Hop, hop. Ah putain, il m'a chopé. Tiens, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Secteur nettoyé. Voilà qui rend les choses un peu plus intéressantes. Alors, où est-ce qu'elle est poisonnée, vie? Ben là, à l'intérieur. Monsieur Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman? J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je explose la cervelle. Charmant. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé? Même pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. J'étais à la réunion. Quelle réunion? Il y avait tout le monde. Le pingouin, double face, l'homme mystère, même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. Il n'apprendra donc jamais. Tu viens avec moi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a? Cherchez pas à comprendre, c'est Batman. Oh,
tient la cible. Elle est coincée. Ne bouge pas. C'est lui, vous êtes sûr? Batman, confirmé. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Je croyais que ce serait dur. Il a fallu un seul tank. On a prévu toute l'armée pour t'affronter. Hop, on sélectionne un Batmobile. C'est bon, j'y suis, non? C'est bon, là j'y suis. L1 pour arrêter le pilotage en, à distance. R1 pour changer de vue. Maintenir L2 pour le mode combat. Ils seront là d'un instant à l'autre. Ok. Et celui-là, on peut le péter ou pas? Ok. D'accord. Batman est ici, donc on va l'écarter du danger. On va se placer quelque part par ici. Ah merde! Je dois rester à portée de la commande à distance. C'est bon, j'en ai eu deux. Qui c'est qui me tire dessus? Il est là-bas. Quoi? Dans mon dos. Merde. Quatre. Merde, il m'a touché. Ah non, je les ai tous eus. Ok. Il faut qu'on parte. Le maître incontesté de l'euphémisme, comme toujours. J'ai besoin de savoir d'où viennent ces tanks. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. Oui, 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 ça va faire mal. Alors, 193 mètres, tout droit. Incomplet. Lancer le défi. Simulation activée. Diagnostic du système de puissance d'armes en ligne. Étape 1. Détruire les cibles principales de la charge d'armes et activer le barrage de missiles. Ok, c'est un tuto pour apprendre à gérer la Batmobile en fait. D'accord. Oups. D'accord. Ça en fait une. Après, il faudrait bien tirer sur les canons. Pour être sûr de les one-shot. Voilà. Encore un. Nickel. Et donc 4 fois carré là. Ok, le verrouillage est automatique. Étape de diagnostic terminée. Étape 3. Les dégâts reçus font baisser la puissance d'armes. Chargez le barrage de missiles au niveau 2 et détruisez 4 cibles actives pour terminer le diagnostic. 4 cibles actives, ça veut dire qu'il va falloir se défendre. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
tout comme sur la vidéo de l'E3. Il y en a un dans le dos. Oula, il a bien failli m'avoir en plus. C'est bon. Pas assez rapide. C'est bon. Niveau 2 effectué. 1, 2, 3, 4. Nickel. Continuez. Batman, un transport déploie d'autres tanks à Panessa Studio. J'ai prévenu le GCPD pour que leurs hommes évacuent. J'y vais immédiatement. À toutes les unités, ici le commissaire Gordon. Plusieurs tanks hostiles ont été déployés à travers la ville. Gotham est attaqué. Je veux que tout le monde quitte les rues et retourne immédiatement au GCPD. On n'est pas équipé pour faire face à tout ça. Heureusement, il y en a un qui est... Allez, 250 mètres. D'accord, on est arrivé. Mode combat. Non, merci. Non, bouge pas. On charge au niveau 2. Ah putain. Voilà. Il y a où l'autre? Il est tout au fond. D'accord. Un, deux, trois, quatre. Oula, on a un là-bas, un dans le dos. Oups. Nice. Putain, c'est pas facile à gérer, hein. Avance. Merde. C'est bon. Terminé. Yes. Jim, vos hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. Tant mieux. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Je vais avoir besoin de la chambre d'isolement du GCPD. J'amène Ivy. Ok, direction. Oups, on va quitter le mode combat. Direction Gotham City Police, je sais plus quoi. Department. GCPD. Gotham City Police Department. Ouais, c'est ça. Ouais. Et hop, on est arrivé. Ravi de vous voir ici, Batman. Emmenez-la au niveau inférieur de la prison. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire? Personne, je suis Batman. Les
épouvantail va te briser, Batman. Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains? Des troubles civils? C'est la guerre dans les rues. On n'a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait. Tenez, regardez qui est là. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moins. La cellule d'isolement est prête. Ravi que vous en fassiez bon usage. Oh, super. Une autre cellule. Alors, tu te sens mieux maintenant que je suis enfermée? Nouveau trophée débloqué. Craignez-moi. On a perdu le contrôle de la vie. Ok. On va aller voir Gordon, où est-ce qu'il est? Les ordures qui ont envahi les rues feront tout ce qui est en non, pouvoir. Non, c'est pas lui. Vous avez tous eu l'occasion d'évacuer. On peut courir? Je ne suis pas politicien, non. Monsieur, ça ne me concerne pas. Ici peut-être, non. Allez au diable! Foutu bureaucrate. On est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Je vais les rejoindre dès que j'ai fini ici. On va trouver cette pourriture. Fernandez, c'est Gordon. Quelle est votre situation? Utilisez l'écran de sélection de mission pour choisir votre prochain objectif. Ok. Chaque supervillain, une nouvelle mission, déclenchez automatiquement l'écran. Si vous voulez traquer l'épouvantail, sélectionnez l'icône point d'exclamation en haut de l'écran. Ok. Donc, épouvantail. Scarecrow. Là, c'est les pompiers. Donc là, c'est l'homme mystère. Et en bas, qu'est-ce que c'est? Le crime parfait. Vous savez quoi? On va prendre les pompiers. Hop. Je retrouverai les pompiers disparus. Bonne chance là-bas. La sortie, c'est pas. Par ici, je crois. Je l'avais jamais vu d'aussi près. On est tous avec vous, Batman. À 100%. Owens du resto veut sûrement votre mort. Mais les autres sont dans la team Batman. Derrière moi, ensuite je descends. Ok. Derrière moi, par ici. Donc j'avais raison. Ouvrir la porte. Dieu sait comment il s'en est sorti sans tirer sur personne. Les clients du resto se sont entre-déchirés. C'est moi? Ou la toxine continue de faire effet? Ah, c'est celui qui était au truc. Hein. Trompes. Il vit un enfer là-dedans. Au diner. L'espèce de Tony's Café, là, au début. Hé, hey, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Ça, c'est celui qu'on a pété le bras. Il m'a cassé le poignet pour rien. Il avait projet pour toi, Batman. Ah ouais, c'est ça. Pour toi et tous tes amis. Cette nuit, on va enfin détruire la chauve-souris. J'ai Chuck Norris de mon côté. Ouvrir la porte. Ce truc est passé au niveau supérieur. Après le soutien aérien, il s'est changé en tank. Cool. N'approchez pas trop. Bonsoir, monsieur Wayne. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu.
Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Ah ouais, c'est Lucius maintenant, c'est plus Alfred. Ah mais non, Lucius c'est celui qui travaille à... Ok. J'ai rien dit. Alfred travaille au manoir et Lucius travaille pour Wayne Corporation. Ok. À la fabrique d'armes. Wayne Industry, pardon. Pas Corporation. Luthor Corp et Wayne Industry. Ok. Ça y est, on est arrivé. C'est tout là-haut. On va sortir. Là, c'est tout. Ok, sauvé. Batman ! Oh, vous êtes venu. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le camion a été attaqué. Des émeutiers nous ont attrapés un par un. On a été séparés. Et enlevés. Ils vont nous tuer. Je sauverai vos hommes. Attendez-là. Un agent du GCPD viendra vous chercher. Bien. Ah, je peux sortir de là directement. Ouais, vu que j'avais pété la fenêtre. Enfin, la fenêtre, la vitre. Ok les amis, bon ben on va se laisser par ici pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé une fois de plus. Hein. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner si vous êtes nouveau et que c'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour le troisième épisode. Ciao, bye et peace.